salut, c'est moi. Oh, oh bah putain, des lunettes. Tiens, mais en vous parlant de lunettes, justement, je voulais vous parler de lunettes. Tain, mais c'est dingue. Bon, moi, c'est vrai que je connais bien les lunettes, étant donné que j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. Mais pourquoi tu prends un bain de lunettes? C'est pas confortable, des lunettes. Écoute-moi, jeune con, ce n'est pas à prendre au premier degré. Si tu prends un bain à 1 degré, tu vas avoir froid, mon pote. Ta bite, elle va être comme as. Bon, déjà, le truc chiant, des lunettes pour un mec, c'est pas très viril. Kimbo Slice contre Corentin Killer, le nouveau petit prince du Free Fight. Vous croyez que c'est facile de porter des lunettes, monsieur? Mais il y a un racisme anti-lunettes. On nous fait chier tout le temps. Hop là, plus de lunettes. Combien j'ai de doigts? Perdu! Confisqué! Et encore, j'espère qu'ils font cette blague uniquement aux mecs à lunettes. Hop là, plus de perfusion! Combien j'ai de doigts? Perdu! Mais rigole un peu, merde! Patrick Sébastien, il sait s'amuser, lui! Il y a cette phrase nulle aussi. Toi, avec ta vue, tu pourrais pas être pilote de ligne. Bon, en même temps, j'ai pas spécialement envie, donc... Ouais, mais même si tu voulais, tu pourrais pas, enfin... Ouais, mais j'ai pas envie, comme je t'ai dit, donc ça me dérange pas. Non, mais t'as pas envie, parce qu'en fait, tu peux pas. Non, mais je t'ai dit, j'ai pas envie, ouais. Tu peux pas. Non, mais c'est t'es pas ta con, faute, quoi. C'est pas ta faute. T'es con, quoi. Mais c'est bon, je me casse. Voilà, t'as la rage, parce que tu peux pas être pilote de ligne. Gros con. À l'école, par exemple, on nous appelait par notre signe distinctif. Au football. Eh, hey, binoclard. Oh, fais la passe, bigle, oh. Eh, hey, lunette. Eh, hey, serpent à lunettes. Eh, hey, problème aux yeux, oh. Oui, bah, on a compris, c'est bon. Eh, hey, fils de pute. Oui, c'est ça que je veux. Et puis les docteurs qui s'occupent de nous, ils sont carrément chelous, les ophtalmologues, là. Qu'on appelle ophtalmo. Quand on est dans le milieu de la lunette, ouais. J'adore cette clope, elle est géniale. Quand j'étais petit, les mecs m'offraient des petits dinosaures en plastique à chaque fin de consultation. Et puis, ils font toujours passer des séries de tests carrément bizarres. Hein. Est-ce que le perroquet est dans la cage, monsieur? Non. Eh ben, on va opérer. Ces mecs-là pourraient dire n'importe quoi qu'on les croirait sur parole. Dites-moi un mot au hasard. Pingouin? Vous avez une cirrhose, monsieur. Un petit dinosaure? Ouais! Mais si on est persécuté par les autres, on s'entend plutôt pas mal entre gens à lunettes. Toi, je parais que t'es hyper métrope. Perdu, je suis astigmate. Non, mais le plus dur, c'est pour les presbytes. Les mecs se prennent toujours des vannes. Et toujours la même, d'ailleurs. Il doit y avoir un bouton qui s'enclenche quand les mecs entendent ce mot. Et donc toi, t'as quoi aux yeux? Je suis presbyte. Ça veut dire que tu presses des bites. Allez, la bite. Puis c'est chiant aussi, là. Tous les mecs nuls ou les mecs chelous, les psychopathes ont des lunettes. Prenons l'exemple de Patrick Dils, Pédils, comme j'aime à l'appeler, qui a pris 15 ans de prison alors qu'il n'avait rien fait. Il avait juste la gueule de l'emploi, des lunettes. Alors que quand il est sorti de prison, bizarrement, il n'avait plus ses lunettes. Coïncidence, 11 septembre, quenelle, je ne sais pas. Bon bah, désolé monsieur Dils, hein. Ouais, c'est relou, hein. 15 ans quand même. Ouais, mais je sais, mais on savait pas nous, hein. Ah, vous pouviez pas savoir que c'était juste pour la lecture en ouais. Même temps, hein. Allez, bonne liberté. Merci, au revoir. Au revoir, bonsoir. Bon allez, je vais chier de la merde, moi. C'est joli ça. Non, pas, 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 oh les mains sur la tête. Mais non, mais c'est juste pour les cures. Je veux pas te savoir, allez, 15 ans ferme là. Oh putain, non. Et puis il y a plein de problèmes avec les lunettes. En cas de changement climatique par exemple, c'est la merde. C'est une tannée. Tannée. C'est vraiment froid, tu viens, on rentre. Allez. Ah, il fait meilleur ici, non? Ah, qui le dis-tu? On baise. Tu viens, on rentre, il pleut là. Bah, on est bien ici. On baise. Et puis les lunettes qui glissent, qui tombent sur le nez. Moi ça m'énerve. Bon, heureusement, j'ai ma petite technique. Petite blague, non, j'ai une vraie technique. Oui! Oui! Ah oui, et puis en été, moi je crame uniquement du nez comme ça parce que mes lunettes font effet loupe sur ma truffe. Du coup, avec un peu de chance, j'aurais peut-être un cancer de la peau du nez, hein, qui est une mort plutôt honorable, je vous l'accorde. Putain, mais c'est une mort de merde! Je vous rassure, tout n'est pas acheté avec les lunettes, hein. J'ai quelques tricks dans ma hotte, pareil bébé, qui plaisent fortement à la gente féminine, si je ne m'abuse. Là, si vous voulez voir ma bite, y'a pas de soucis. Eh hey, les filles, regardez un peu. Allez, mettez-vous à l'aise. Alors, je sais pas si vous vous souvenez d'un petit jeu qu'on faisait à l'école comme ça. On illuminait le tableau du professeur avec ses règles et ses équerres avec le soleil. Hein, tu t'en rappelles, Nico? On s'était tapé des portes rires. Non, moi, j'étais au-dessus de tout ça. C'est les mathématiques, qui veut résoudre les petites équations? Oh, arrêtez avec vos règles tout le temps. Vous avez quel âge? Oh, c'était le petit Steven avec ses lunettes. Regardez-le, il est trop mignon. Bravo! Arrête, Steven, maintenant.
Petit con, va. Ah, c'est marrant quand même, hein. Allez, on est reparti. Il y a des trucs bizarres que font les gens avec leurs lunettes. Par exemple, mordiller la branche pour avoir l'air cool. Mm-hmm. C'est dégueulasse. T'es en train de bouffer la crasse derrière ton oreille, mon gars. Qu'est-ce qui est stylé là-dedans? Je me suis toujours mieux entendu avec les hommes plutôt qu'avec les femmes. Enfin, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mm-hmm. J'adore quand il fait ça. Ah ouais? Non mais les mecs font n'importe quoi avec leurs lunettes. Hein. Ils les mettent sur la tête, sur le cou, derrière la tête. Ça va être quoi le prochain délire? Bah t'as pas mis tes lunettes aujourd'hui? Si. Bah non. Bah si. Non. Beau gosse! Exact! Mais les pires de tous, c'est ceux qui portent des lunettes juste pour le style, sans verre correcteur. Alors qu'à la base, les lunettes, c'est fait pour guérir un handicap. À partir de là, j'ai décidé de plus comprendre la mode. Bon, c'est bon, t'es chaud pour aller en boîte? Grave. Eh, hey, attends, t'as pas oublié quelque chose? Non. Bah... Oh putain! Oh le con! Putain, heureusement que tu m'y as fait penser, quoi. Bah grave, allez, on y va? Allez! Cette vidéo est à présent terminée, mais tu peux continuer à en parler sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Je porte actuellement des lunettes ». Voilà, abonne-toi, ça fait plaisir. Je suis ton père. Petite blague. Allez, à plus. Abonne-toi sur l'outil YouTube en cliquant sur Corentin. T'as mangé quoi hier, toi? J'ai mangé une salade de tomate. T'as dit tomate? Ah non, j'ai dit tomate. Si, t'as dit tomate. Oh, je suis con. Top là. C'est bon? Coupé! Nickel, cool, génial.